Salut à tous, c'est Switchland et on se retrouve en direct sur la Switch. Je joue en live avec les abonnés. Là pour l'instant je suis dans une course contre Dark62420, le même joueur si vous vous souvenez bien, qui m'a déjà torché sur Bomberman R et là, il est encore devant moi. Je me concentre, en plus c'est un circuit que je ne connais pas. C'est dommage parce que tout à l'heure j'ai fait des parties, on était 6. Et j'avais pas encore mis mon dispositif pour enregistrer. Et là je viens de le mettre et on n'est plus que deux. J'espère que les joueurs vont revenir. C'est un peu de ma faute, j'aurais dû enregistrer tout de suite. On a fait des bonnes parties en plus. D'ailleurs j'ai gagné quelques fois. Pas souvent, mais quelques fois. J'ai gagné une course. Et j'ai fait plusieurs fois deuxième. Allez là. Ouais, il est juste devant. Dernier tour. Allez les gars, on s'accroche. Il suffit juste qu'il fasse une petite erreur, tu vois, il rate un virage. Je sais pas, il rate un boost. Là, pour l'instant c'est moi qui le fais. En plus il prend bien toutes les petites sphères pour avoir le boost, ce saligouin là. Du coup je peux rien récupérer derrière. Putain, si je peux avoir 2-3 sphères de boost là. Et là, il est juste devant, il y a qu'à... Il est juste là, regardez. Putain, deuxième, c'est pas grave. Je vais me refaire. Donc je ferai une vidéo demain, je pense, ou ce soir, pour vous annoncer exactement quel jour et à quelle heure je me connecte en ligne et je joue avec vous. Ça, ce qui me permet de filmer nos parties et du coup de les retransmettre sur la chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qu'il a... Ah bah c'est bon, on est 4. Alors maintenant on est en présence de Zachary, de Dark62420, mon pire ennemi, et de AL2338. Allez. Et c'est le circuit, qu'est-ce que c'était, la neige là, Alpine machin? Non, j'ai pas eu le temps de voir. Oh non, celui-là il est odieux ce circuit. Il faut la piste, en fait c'est un tube, il faut rouler autour. Il y a des espèces de monstres qui passent. Ouais, c'est bon, j'ai eu le boost. Alors le boost, c'est un peu comme Mario Kart, il faut appuyer à partir du moment où le 2 s'affiche. Le 3, 2, 1. Ah, cette piste, elle est juste affreuse, quoi. Parce que bon, les monstres, là, c'est facile, mais au bout d'un moment, il y a une espèce de pont. Et comme on voit rien devant nous... Là, dans celui-là, il va y avoir des accidents, parce que... Surtout quand on est en boost, il y a moyen de se prendre des obstacles. Pour l'instant, je me concentre. Alors vous allez... Là, par exemple, il y en a un obstacle, voilà. Pas faire de boost. Là, je vais essayer de rester devant sans utiliser le boost. Parce que plus j'en mets, plus j'ai des chances de me rattraper un pylône en pleine face. Qu'est-ce que je vous disais? Putain de merde! Ah, c'est pas grave. Oh putain, non mais le... Même pas je suis reparti, je suis mort. Ah, je suis toujours premier. Qu'est-ce qu'il fout les autres? Alors, vous voyez sur la petite map, là, moi je suis le carré rose, hein, en bas à droite. Et le... Ah, il y en a un qui est juste derrière, là. J'ai parlé trop vite. J'espère que c'est pas le Dark 62, parce que... Il commence sérieusement à me chauffer la nénette, celui-là. Oh, de quel doigt je me chauffe. Allez, jaune. Esquive des poteaux, c'est bon. Il y a le jaune, là. Jaune. Voilà, les trois sphères, tac, un petit peu, n'importe comment. Ah, c'est vrai que ce circuit, quand on le regarde, ça doit peut-être faire vite mal au cœur. Quand on est manette en main, ça va. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça va super vite. Alors quand on regarde, on penserait que c'est injouable, et en fait, non, c'est super jouable. Je suis pas pourtant un joueur habitué des jeux de course, etc. Mais là, la prise en main, ça donne vraiment de bonnes sensations. Mais je suis premier, les amis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a plus personne sur le circuit, ils sont où les autres? Attends, je vois que deux carrés qui circulent là.
Ah ouais, ils se sont déconnectés ou quoi? Ah merde, j'espère qu'ils vont revenir, c'était quand même plus sympa à 4 ou 5. Bon, je vais pas gâcher mon plaisir, hein, j'ai quand même fini la course. En première position. Ou alors il y en a peut-être qu'on rage quitte, je sais pas, qui déteste ce circuit. Vivement qu'on ait du online avec du vocal sur Switch, hein, c'est quand même plus sympa. Enfin, quoique avec leur système là, apparemment le online est payant, bon, c'est normal. Comme sur les autres consoles, j'ai envie de dire. Mais par contre, le système pour le chat, etc., vocal, ça sera à partir d'un smartphone. Alors, je vois pas comment on va faire pour écouter le son du jeu, plus parler dans un smartphone, je sais pas, avec un casque. Premier. Bon, j'ai bien fait d'enregistrer, là, j'ai gagné une course. Je suis content, au moins j'aurai gagné quelque chose. Bon, allez, on va espérer qu'il y aura plus de monde là. Plus que 10 secondes avant la fin de la course. Voilà. Ah, mais si, il y avait Dark 62-40. Ah, bah alors. Donc j'ai pris 5 points, si j'ai bien compris. Moi, je vais choisir celui-là parce que je l'aime bien. Ah, il y avait Antarctica, bien. Alors, on a qui? Alors, remarquez que le système, il attend pas beaucoup les joueurs. Hein. 10 secondes, même pas, paf, il lance la partie. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir quel est le circuit. On va faire. Là, je me bats avec le fil de mon casque là. Qui me gêne. Voilà. Hop. Scorpio. D'accord. Je le connais pas trop celui-là. C'est bon, j'ai eu le boost, c'est déjà ça. Allez, on y va. Alors, ma stratégie, elle est assez simple. Si je suis premier, ce qui est rare, hein, j'essaie de garder un maximum de boost. Bon bah voilà, là je suis dernier donc je vais utiliser le boost. Oula, c'est quoi ce... L'espèce de pâle qui tourne là, voilà c'est bon. Oulala, c'était sauf ça. Oh putain. Ah là ça passe, ou ça casse, là ça casse. Avec un peu de chance là, je vais rattraper. Bah, il y a des turbulences. Il est pas mal mon petit véhicule avec des points qui piquent là. Carrément des vers géants, mais c'est dégueulasse. Je la connaissais pas ce circuit. Bah, en fait, j'ai pas trop joué avant que le online soit vraiment activé. J'ai pas trop joué en solo à Fast Air Mixi. J'ai joué il y a quelques heures histoire de débloquer quelques véhicules. Mais voilà, j'ai pas du tout fini toutes les ligues. Sauf ça, je connais pas. Beaucoup de circuits. Mais ça va. C'est pas le pire que j'ai vu. Pour l'instant. En tout cas, il y a pas mal de boosts dans ce circuit. Bah, ils sont où les autres là? Et ils sont derrière. Hein. Ils sont derrière les mecs. Allez. Je vais mettre la dose maximum. Surtout, ce qui est important quand on est en premier, c'est essayer de récupérer le plus de petites sphères de boost. Comme ça, les autres derrière, ils ont que dalle. Enfin, ils en ont que dalle. Ils en ont moins. Parce qu'elles reviennent au fur et à mesure. Mais ça, c'est vraiment stressant quand on est derrière et qu'on a aucune sphère de boost. Bah, on a du mal à rattraper. Et ce jeu, il est vraiment pas mal. Et je me demande ce que ça aurait été si... Merde! Putain, on avait des armes un peu à la Mario Kart. Enfin, je pense que ça aurait été difficile parce que déjà que ça va très vite. Si en plus il y avait des fusées qui volaient dans tous les sens ou des flaques d'huile ou je ne sais quoi là, ça aurait été un peu injouable. Bon bah écoutez, je crois que je vais gagner la deuxième course. Enfin, deux fois premier. Deux courses consécutives. On va voir. Ouais, c'est bien parti. Ouh, il est juste derrière. Je sais pas qui c'est, mais il est juste derrière. Sur la map, il est vraiment collé à moi. Allez, le bleu. Allez, la ligne d'arrivée, elle est où là? Putain, c'est toujours comme ça. Oui.
Ça fait plaisir. Je vous jure que j'ai pas fait de montage, etc. Hein, que j'ai pas sélectionné que les parties où je gagne. Hein. C'est la vérité. Alors qu'est-ce qu'on va se prendre là, Islande? Non, on va se prendre Antarctica juste pour faire chier. Allez, on y va. Oh merde, il y avait Storm. Allez, un autre joueur là, 4, 5, 6 joueurs. Ils sont où les gars? Bon, faut dire qu'il est déjà 23h là. Hein, on a, j'avais donné rendez-vous à 22h. J'ai joué. Et... j'aurais dû record avant. J'étais pris dans le jeu, j'avais pas branché, j'avais pas mon casque, j'avais pas tout ça. En tout cas, je trouve très sympa qu'on joue ensemble. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo avec un calendrier précis. Merde, mais voilà, je discute, j'ai pas fait le boost. Putain, ah, elle est passée devant. Et quoi, on est que deux là sur la course? Ouais, je ferai un calendrier. Oh putain. Bah écoute. Pour vous dire exactement quel jour je joue. Il y a quel jeu. En sachant que la fin de semaine prochaine, Mario Kart 8 les gars. Mario Kart 8. Là ça va se la donner. En mode bataille. Je pense que peut-être, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais peut-être que le plus simple, c'est de dire, je sais pas, par exemple, le mardi soir, Bomberman, le mercredi, Fast Ceramix, le vendredi, oh putain, le vendredi, Mario Kart, voilà, ainsi de suite. Avoir des jours, des soirées dédiées, tel soir, tel jeu. Et comme ça, on se retrouve. Si je suis là, je vous retrouve, et puis je filme, du coup, la partie, et je la retransmets sur la chaîne le lendemain ou le surlendemain. Bah si je suis pas là, vous jouez ensemble et puis on s'éclate quoi. Oh là 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 là, je passe au-dessus, je passe en dessous, partout sauf sur le circuit en fait. Et mon adversaire il est... Ah bah Balwed, ouais c'est mort, je vais jamais le rattraper. Et c'est quoi aussi ce circuit? Il manque des bouts de passerelle là. On dirait à 180 degrés. Allez, allez, allez. Un peu de fun dans cette vidéo là. Est-ce que c'est possible de remonter? Pourquoi pas, on sait jamais. Il suffit que le... que... ah, elle tombe dans le lac là. Allez, tombe dans le lac. Dernier tour. Ouais, bah, elle est déjà arrivée lui presque. Non mais cette passerelle ça veut pas, non ça veut pas. Bon, je crois qu'on va finir cette course et on va se quitter. Sauf s'il y a d'autres joueurs qui se connectent, mais là comme il est 23h10, j'ai un peu peur que... qu'on ne soit plus que deux. Deuxième sur deux, donc dernier. Voilà, donc c'est ici que s'arrête cette vidéo de Je joue avec vous à Fastermix. Donc surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Si éventuellement on pourrait jouer aussi en ligne à d'autres jeux, j'ai pas pensé par exemple à Sniper Clips, ou si vous avez d'autres jeux multi, je les connais pas tous, proposez-moi et puis je verrai s'il y a moyen que je prenne les jeux pour jouer avec vous. Voilà, donc en tout cas je vous remercie beaucoup d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Et je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas le pouce bleu, et n'oubliez pas de parler de cette chaîne autour de vous, pour que nous soyons toujours plus nombreux à nous éclater ensemble. Allez, je vous fais la bise, et à bientôt les gars. Ciao !